Et nous sommes de retour, War Tales, sur Luderne. Sur Luderne. Donc la dernière fois on avait le village maudit, on avait vu le village maudit, on l'a pas complété, mais on a fait la petite quête où il y avait. On avait une nouvelle mécanique avec les zombies qui vous attaquent et tout ça. C'est vraiment vraiment cool. Vraiment vraiment cool. On a une prison ici. On a la meute de Luderne à faire, on a l'angoisse de la peur, il faut tuer le boss. On va essayer de faire ça, piller l'ancienne tour de guet d'Edoran. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Ouais, c'est parti. On n'a pas de forge, pas de forge ici. C'est un peu un problème. C'est un peu un problème. La dernière fois, on a combattu aussi des moustiques. Les moustiques sont quand même très balèzes. Là, c'est quoi? Trouver et libérer l'homme capturé. Okay. Les moustiques sont quand même très balèzes. Mais on a réussi. Ah, j'ai pas fait l'apothicaire. On a des nouvelles choses à crafter, genre des potions pour faire des debuffs de fièvre, des trucs comme ça. Donc ouais, on a ça à faire. On le fera quand on reviendra. Ah, j'ai vu des gens. Tac, surprise. Je crois. On peut pas voir la carte. Si, on peut voir la carte. Oui, du coup, ils sont à côté de la prison. Et ben, du coup, on n'a pas beaucoup à les traîner. J'espère que la prison s'est vidée. Enfin, on a passé quand même quelques jours, donc je pense que la prison est vide. Donc, si on peut en récupérer quelques-uns, normalement, on devrait tous les encercler aussi. Yes. Ça marche. Ça marche. Je vais prendre aussi un moment, parce que là, on est quand même bien puissant. Pour faire la quête de Septal, je vais voir. Je vais genre entre deux vidéos, je vais aller regarder le niveau des troupes. Normalement, ils doivent être plus haut que nous, ils doivent être peut-être 9 ou 10. Mais peut-être que ça passe. Peut-être que ça passe. Ok, on va essayer de pas trop utiliser de bravoure. Et du coup pour ça, Kirik, je te vois pas. Kirik. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Évidemment, les deux lieutenants. Je trouve pas. Méné, je trouve pas. Ah, il est là. Ok. Évidemment, les deux lieutenants, ils sont loin. J'ai l'impression qu'on va devoir jouer ne neige. Mais bon, on peut récupérer. On a nos points. C'est des points pour le combat. Donc ça va. Là, ça nous ferait déjà deux morts. Alors, tactique. Alors de tactique en plus entre le lieutenant et lui,
Vu que c'est les meilleurs amis et tout ça, bah du coup, bah ils font mal. Genre le 5% de... De dégâts en plus, ça le fait quoi. Très bien. Je devrais leur mettre du saignement et tout ça, peut-être. Poison et tout. J'aurais dû toucher ces trois-là. Niveau dégâts, c'est quoi là? C'est du one shot. Ah, attends, attrape-moi lui. Ah, putain, il est pas. Ah, putain, il est pas engagé. Il est pas engagé. On va se mettre là, ça nous fera un point. Je vais pas engager avec elle. Alors. Faut faire gaffe parce que le piège à ours fait très mal à l'ours. Évidemment, évidemment, c'est dans le nom. Oh non, il va pas. Il va mourir du poison du saignement. On est d'accord que c'est des hors la loi, oui. Alors, comment on peut les engager? Protection. Kourou. Il y a peu de gens qui ont provocation en fait. Je crois que là le cheval il va le tuer, non? Ça va. Bien. Joli. Très joli. Et on va faire ça parce que sinon... On va pas vraiment pouvoir l'engager, ça va être chiant. Il reste pas grand monde. Ça va le tuer. Pas si mal. Ok, parfait. Quand on en est au moins deux, ce serait bien. Au moins deux.
renseignements. On va prendre celui-là. J'aime bien l'équipement de War. Pour le moment, c'est mon équipement préféré. C'est le même qu'on avait, qui est très très bien. Mais en version... du coup... En version sauvage, là. Oh merde. Oh putain, il a fait trop mal, quoi. Bon, bah lui, on l'attrapera pas. Non, non, sérieux. Ah, bien. Oh putain. Évidemment. Évidemment. Alors, c'est une erreur judiciaire. Un guerrier confiant, carnivore et lâche. Comment tu peux être confiant et lâche? Malin, lâche, ronfleur. Mais ils sont bien ici. On a 3 prisonniers. Donc on a 60 qu'on peut virer. À la limite, on peut prendre des cordes. Cordes, c'est pas très lourd. Les chaînes, c'est lourd. Les cordes, c'est pas très lourd. Les chaînes, on les récupère à chaque fois. Les cordes, non. On les récupère pas. 55. Très bien. C'est eux. On a trouvé la bande qui a volé les cordes. Ouais, c'est complètement eux. Et voilà. C'est bien la justice. Très très bien la justice. Alors, je voudrais voir. Voilà, ici. Pour illuminer la carte, c'est un peu de la perte de temps, mais est-ce qu'on peut passer par là? Ils sont où les pitons? Pitons, pitons, pitons. Yes. Ok. Ok, peut-être qu'on peut faire ligne droite, ce sera mieux. Alors maintenant, on peut faire l'escouade et après comme ça, je sais pas trop. Je sais pas le chemin, je crois qu'on va devoir juste se balader en fait. Genre, fais voir là toi. Genre, si je fais ça. Oula, montrez-moi ce que vous avez accepté. Un objet volé? What? Oh le con! Oh le débile! J'avais complètement zappé. Désolé. Bah voilà, ça servait strictement à rien d'avoir. Non, ce que je voulais faire, c'est ça. Aïe aïe aïe, fais voir un peu. Niveau 10, c'est en jeu. C'est plus en rouge. Et puis après, on a combattu avec eux. À un moment, ils se sont fait attaquer tout ça. Et on a combattu avec eux, on a vu ce qu'ils avaient et tout. Et des sangliers. Donc, honnêtement, je suis sûr qu'on peut se les faire. Donc, en théorie, ceux de... Ici, là, on devrait pouvoir se les faire. Encore une fois, le problème, c'est que bah, on va être recherché, quoi. Oh merde. Attends, on va peut-être aller se reposer d'abord. Je crois que c'est ce qu'on cherche. Je voudrais bien leur tomber dessus. Sans qu'ils nous voient.
Je crois qu'on commence à arriver à la fin des gamelles. Ouais, va falloir se reposer moins. Pourquoi? Vous reposez maintenant, votre troupe sera malheureuse. Mais pourquoi? Il y a un compte qui s'est pas bien fait. Mais je crois qu'il y a un bug parce que. Ah, mais c'est un bug avec la viande qu'on achète en fait. Non, pas la viande qu'on achète. Le truc de porc là. Parce que ça nous fait moins 2, ça nous montre moins 2, mais ça va les rendre malheureux quand même. Donc, ouais, parce que si on enlève, on est à moins 1. Attendez, on va voir exactement combien. Ouais, non, il faut un plus 2. Donc en fait, c'est que le buff s'en va, sauf que pour se reposer, c'est pas mis à jour. En gros, c'est ça le problème. C'est que c'est pas mis à jour là. Encore heureux que je l'ai vu. Compagnon à proximité d'un ours. Pourquoi il n'y a qu'un seul ours? Ah. Ah, ok. On va le mettre là, en fait. Enfin, on peut le mettre là comme ça. C'est comme s'il s'entraînait avec notre copain. Ça aussi, la civière, je sais pas si c'est vraiment utile. Peut-être la mettre de côté pour le moment. Je sais pas. Je fais encore du du changement. On peut peut-être après on peut la remettre dans l'inventaire, je sais. Mais bon, ça va prendre de la place. Pour moi, on n'a pas besoin de la civière, donc on peut la mettre de côté. Ouais, je pense qu'on est bien. Qu'on prépare notre armure après. Le prochain combat. Donc là, on a. Ah non, c'est peut-être des gens paumés. Qu'on a vu. Attaque surprise, on les a. Oh putain, artificier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas combattu des artificiers, tiens. Ça fait un moment. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils se baladent peut-être. Ils se baladent. Très bien. Très bien, on les encercle tous. Ça fait plaisir. Pas trop se placer en fait. On peut essayer de jouer sans utiliser deux trucs, mais honnêtement, c'est la merde. Hein. Sans utiliser le double. Les maths sont tellement grandes maintenant. J'ai besoin de ça pour pouvoir être efficace. Hein.
Oh non, il va foutre le feu. Oh, le jeu, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est juste un gros freeze. Ah ça, elle est immunisée au feu, Lucie. Là, je crois bien. Yes. Ça marche. Avant que tu foutes encore plus le feu, on va te calmer, toi. On va sûrement pas avoir besoin de tous les tuer en plus. Ow. Nickel. Provocation. Putain. Qu'est-ce qu'elle est bien cette lance? Si on pouvait avoir, par exemple, on a eu deux fois la même dague, enfin deux fois la même, c'est pas exactement la même, mais elle a les mêmes habilités et tout ça. Si on peut avoir deux fois la même lance, enfin une deuxième fois le même, la même habilité, honnêtement, ça peut être très puissant. Ça peut être vraiment très puissant. Ah, fais chier, je peux pas. Mais ouais. Ah, les armes spéciales sont vraiment bien. Alors, bien sûr, on a certaines qui sont mieux que d'autres, hein, mais. Mais en général, elles sont toutes intéressantes pour le moment. Vu qu'elles font des trucs uniques, c'est vraiment top. Des choses uniques à chaque fois. Je vais voir ce qu'on peut faire là. Ouais. Pas mal. Très bien.
Ah, je sais qu'il a galvanisation, mais c'est pas très grave. Du coup, avec ça, tu fais du 56-67. Pas mal. Comme j'ai dit, ouais, le coup du feu. Là, on pourrait leur ba balancer un feu. C'est juste ça, ouais, le premier sang, là, qui marche pas. Le problème, c'est que si on les laisse passer dans le feu, ça veut dire que c'est leur tour, donc ils vont brûler. Vous voyez? Ils vont brûler, donc du coup, ils vont prendre des dégâts. Donc du coup, ça ne va pas marcher, le premier sang. Si on les brûle, nous, avec un cocktail, ils vont prendre un dégât. Donc du coup, la santé n'est pas pleine. Donc les 35%, on les a pas non plus. Bah, je dirais qu'il faut mettre... Parce que là, il va faire combien de dégâts, là? Ouais, 60 à 86. Oui, là, il fait beaucoup plus, en fait. Là, c'est 56 à 76. 79, pardon. Donc je dirais, on met le feu sur la hache. Flèche incendiaire requiert niveau 7. Ben ça c'est bien, du coup je peux virer le niveau 5. Enfin après honnêtement, on n'en a besoin que d'un seul d'arc. C'est pas trop de différence entre le niveau 7 et le niveau 8. Peut peut-être virer le niveau 8 à la limite. Par contre, ça c'est... Dégâts critiques. Intermédiaire 7. Oui, il a de l'or. Méné peut-être. Non. Niveau 7. Inquisitrice non plus. Classe K encore, moi. Non, ça aussi on va. Ça marche. Ah! Lâche-moi. Ça, c'est quoi ça? Bordure de la map. On était allé là, ouais, ça c'est l'écurie et tout. Ok. Donc. Faut passer par là. Bon, faut refaire le tour. On va essayer de connecter à la route. Le sang, on l'a déjà fait, hein, la bête, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout. Ok, 730, très bien. Là-bas. On peut voir un peu. Ok, il doit être en haut là. Oh là là, c'est quoi ça? Des sangliers. Tribunal de pierre.
Donc ouais, faut changer la potion là, sur la hache. Du coup, il aurait une chance de mettre feu en fait pendant son tour. Genre on utilise une autre habilité. Respecter. L'homme tremble de peur au fond de sa cage, juste semble ne pas lui accorder beaucoup d'attention. Alors. Laissez-nous, mercenaires, nous sommes en train de préparer une séance de justice. Un soldat d'Alazar s'est introduit dans notre territoire, c'est très sérieux. Oui, mais ça va, ça va. Nous avons trouvé un homme seul au milieu des corps démembrés de ses compagnons. Impossible de dire ce qu'il faisait là, mais ses vêtements parlent d'eux-mêmes. Les étrangers d'Alazar ne peuvent pénétrer en Arrak sous peine de mort. Ah, mais nous, on va se faire attaquer si on l'aide comme ça, non? Aïe, 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 on va se faire attaquer. Putain. J'espère que t'en vaut la peine, mec, hein. Vache. Au moment où la cage s'est ouverte, l'homme s'est précipité hors du lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est le prisonnier? Je sais pas. Évadé? Il faut absolument le rattraper avant qu'il fasse d'autres victimes. Cet homme a été retrouvé entouré de cadavres démembrés. Il a peut-être massacré ses propres compagnons. Il a peut-être usé d'une arme inconnue. Oui, non, mais alors là, toi, tu... Attrapez le mercenaire avant qu'il ne soit trop tard. Il ne faut surtout pas qu'il s'attaque aux habitants de Garuza. Okay. Non, mais t'exagères, là. Le mec, il aurait utilisé quoi comme arme? Un canon? Une arme à feu? Putain, il est là. Mais attrapez-le! Putain, on peut pas l'attraper. Oh mon dieu, faut que je fasse 5 ans. Ça tombe mal, hein. Mais bon, on verra ce qu'il a, le carnage qu'il a fait le lendemain. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Je suis obligé de dormir. Je suis obligé de dormir, je suis obligé de dormir. Hein. Ma troupe, elle veut pas avancer. Ah voilà, 2 ours. Oh oh! La Niège, niveau 7 maintenant. Très bien. Niège, ça va être du tanking qu'on veut. Voir Lucie. Lucie a pas de crit. Cinquante de constitution. Lucie 59. Un peu plus de force quand même. Qu'on ait au moins peut-être un 30. Le monde est encore plus grand que je n'imaginais. J'ai l'impression que je pourrais passer toute ma vie à le parcourir sans jamais revenir 2 fois au même endroit. Célébrer. Râler. Oh, boudeur, super. Passer avec les compagnons proches. Bavarder. Bon, on va voir le massacre. Il est où? Là? Ils sont déjà contrôlés contre mon équerre d'être près d'ici. Ils pensent leur complémentaire. Non. Ok. Où est le mec?
Vous n'auriez pas vu un fou furieux là? J'imagine que non. Ouais, l'huile, il faut. L'huile acide, c'est ça qu'il nous faut. Ah, on peut la faire, on a du charbon maintenant. Ok, alors attendez. Ça n'a pas vraiment de sens. Honnêtement, notre build fonctionne pas. Enfin, c'est. Fonctionne pas parfaitement. En fait, faudrait que les trucs y soient brûlés par une autre source que ça. Parce que là, si du coup je le tape avec genre ça. Ah ben non, mais c'est bon, si je le tape avec ça, il risque de brûler. Du coup, après, moi, je peux faire ça. Critique. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Bon, le mec, il. Comment ça se passe? Place du marché. Est-ce que. Ah! Là! Les érudits disaient qu'on pouvait le faire, on ne pouvait pas, les monstres étaient trop nombreux, ils ont dit que c'était pour la connaissance, pour la connaissance. Ça ne devrait pas être trop difficile à le faire. Capturer, oui. Maintenant, je suis désormais votre troupe. Ok, on va le. On va le ramener à bon port. On a du sel. Voilà. Y a des gens qui voulaient quelque chose dehors des fours et tout, je me rappelle pas. Je pense pas. Bon, on le ramène à bon port. Du coup. Bah, on suit la. Ouh la vache, le troupeau là. Ok, faire gaffe. Non! Ah, elle a la forge. Allez, machin. Machin qui suivent comme ça, là. Ils aggroent de super loin, en plus, hein. Et honnêtement, si on n'avait pas tous ces animaux avec les fers à cheval, laisse tomber. Jamais on les sème. Jamais. Hein. Certains, certains. On n'a rien à crafter vraiment honnêtement. Tiens, on peut faire de la musique ici ou pas? Yes. C'est parti. D'aventure en aventure.
Ouh. 60 et 25, cool. Bien joué. Bien joué, bien joué. C'est marrant ça. Le jeu CJ. C'est bon, on le garde, mais croyez-moi, la vie est dure à Luden, il va le regretter. Ah oui, le mec qu'on avait. Je sais pas pourquoi lui veut rester. Ah non, t'es sérieux? Cassez-vous. Ok, go, go, go. Yes, on est bon. T'as encore heureux qu'on peut... Qu'on a une bonne vitesse, hein, une très très bonne vitesse. Moustique à droite. Retour dans le monde civilisé. Ah oui, faire gaffe, il y a des ours. Oh, peut-être plus maintenant. C'était ici? Ouais, c'est au poste frontier. Il faut le ramener. C'est bon, il est là, votre malade. Oui, lieutenant Gottschalk. Oh, je vois qu'il n'y a plus en état de trahir les plans ce qui... Quoi? Je vois qu'il n'est plus en état de trahir les plans de qui que ce soit. Vous auriez pu vous épargner la peine de le délivrer, je suppose. Enfin, peu importe, nous l'avons maintenant. Nos savants lui trouveront bien une utilité. Quant à vous, voici votre récompense avec les compagnons d'Alazar et de son université. Est-ce que on peut avoir des chaînes, s'il vous plaît? Des chaînes d'Alazar là pour capturer les fantômes. Je dirais pas non pour ça. Je dirais vraiment pas non pour ça. Ah, vu qu'on est là, est-ce qu'on essaye de faire le combat là de... Ah tiens, les rats c'est revenu. Invasion de rats. Je me demande si leur niveau a monté. Je pense que le niveau est basé sur l'emplacement. Alors, sardines, on peut en faire des trucs. Oui, donc je disais... est-ce qu'on fait la mission de Septel? Qu'on est là maintenant. C'est super long pour monter la pêche par contre. Ça serait combattre des, des gardes. Je pense qu'on peut, camper à Scrum Cap. Et voir un peu comment ça se passe. Ça va être la merde, hein, mais bon. Je pense que maintenant on peut le faire. Ok, très bien. Peut-être l'ours. De l'ours. Hop. Voilà. Sardines aux champignons, c'est ça que je voulais. Sardines aux champignons, c'est vachement intéressant. Dégâts à tous les animaux, là, de 10%. C'est vraiment pas mal.
Les raisins et les choux, je sais plus à quoi ça sert. On va faire tout le reste. Sardines fumées. Parce qu'on a plus de champignons, c'est pas grave. Et voilà. Ça, c'est un repas. Ça, c'est un repas. Bien, parfait. Du blé. C'est pas mal, ça, du blé. Ouais, on va faire une pause à Stromcap. Et on va voir un peu pour les gardes et tout ça. Ah, notre argent, 3600. Ça va. Ça va, on peut faire beaucoup de choses. Ouais, 500, 450, ok. On peut faire beaucoup de choses avant les payes, parce que comment on se déplace vite et tout ça, il y a tout qui compte en fait. Donc ça c'est bien. Carpe. Du mouton, je peux faire du mouton. Le sel, on en a. Pas besoin d'en acheter. Ça, ça, ça. Tu vends des carpes. C'est ça, à quoi les carpes? Parce que je les prends, mais en fait, j'ai un doute. On a les perches, sardines, brochets, barres, paupiettes. Les carpes, ça sert à rien. Les carpes, on peut juste les faire griller, quoi. Ça marche. On va les prendre. Il nous faut un peu de nourriture. On a beaucoup de... On a beaucoup de choses, on a beaucoup de créatures avec nous, comme d'habitude. Voilà, mouton. Je suis étonné que les poulets, il n'y ait rien. Quasiment certain qu'il n'y a rien. Enfin, qu'on n'a rien pour le moment avec le poulet. Carpe grillée. Par contre, je vais peut-être faire une pause, que je dois trouver mon téléphone. Ok. Ça marche. On va aller faire les gardes. Je pense. On va d'abord regarder leur niveau et tout ça. Donc ouais, on va faire ça et on va tourner autour de Stromcap et voir ce qu'on peut faire. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc là, il y a les gemmes. Après, il y a toujours plein de petites quêtes ici. Ah, faut toujours finir ici, Grimmir, mais c'est un peu... Enfin, faut bien suivre l'histoire et tout ça, et du coup, j'ai pas vraiment bien suivi. Ah oui, non, faut qu'on aille donner au bateau, là. Le magnifique, faut qu'on aille donner... La brouée d'anguille. On allait donner la brouée d'anguille. Parce que moi j'aime bien, honnêtement j'aime beaucoup cette région, mais peut-être qu'on devrait quand même finir ici. Histoire de faire à 100%, puis après voilà quoi. Je pense que ça serait intéressant. Il y a aussi les lieux de rats, il faudrait aussi les finir, ou les trucs comme ça. Le cheval noir, par contre je pense que je vais faire... je vais regarder un peu comment ça se passe, parce que je comprends pas non plus. Bah, je sais pas. Ok, je fais une petite pause et on revient tout de suite. Ok, de retour. Désolé, j'aime pas vraiment faire... Ok, on part. J'aime pas vraiment faire des pauses en plein milieu, mais... J'ai dû. Alors, on voulait faire quoi? Si. Alors, peut-être... Ah bah voilà. Alors, vas-y, fais-moi peur. Niveau 10.
Et ils sont une chier. Ils sont une putain de chier, quoi. Alors attends. Alors, faut peut-être mieux s'équiper. Peut-être que. Les flèches à la volée incendiaire, ça peut être intéressant. On a les crocopores aussi qui vont être intéressants pour le poison, saignement et tout ça. Putain, c'est de la merde. Ok, on a Klaska immunisé au feu. On a Lucie immunisée au feu. Après, toi, tu vas faire des gros dégâts. Taurus, dégâts. Niège qui est immunisé au feu aussi. Capture. Est-ce qu'on l'immunise au feu aussi? Ok. Je sens que c'est une erreur, mais bon. Faut bien le faire un jour. Les mecs, ils vont avoir genre 300 de défense, un truc comme ça. 300 d'armure, un truc comme ça. Un truc catastrophe. Inspiration du chef, ça. Cool. Ils sont 26. Ok, tacticien garde. 128. Ça va. Ouais, eux, ils vont être relous à tuer. Problème, c'est qu'ils sont une chier. Hein. Ça, le problème. C'est toujours ça, le problème. C'est qu'ils sont une chier. Ok, le chef est là. Capitaine Guérard. Ok, inspiration du chef, c'est les mouvements doublés. Donc, faut absolument la bloquer. Du coup, le problème, c'est que je suis obligé d'avoir 4 groupes. Ah, mais ils sont 6, non, on est 5 au maximum. C'est quoi cette arnaque? 7 même là. Aïe. Ok, faut bien marquer les gens. Bon, on peut prendre un ours. Autre part. Genre Lucie. Bon, là, il y a deux groupes entiers en même temps. Ça, c'est relou. On peut mettre les animaux. Ouais, non, toi, tu vas nous regarder jouer, toi. Ok, donc là on a des ours et tout ça. Niège. Klaska et Will pour les dégâts. Là ça fait déjà du bon, je pense. Là on a personne vraiment. Ici. Ok, Lucie, elle peut aller dans le groupe. On leur met le feu et tout ça. Kirik, on le met ailleurs. Genre là. Hacker, il a pas besoin d'être là. Genre là, Lucie, elle peut se mettre, genre je sais pas, là, bloquer tout le monde. Et on leur met poison, saignement et feu. Ça peut être intéressant. Poison, saignement et feu. On essaye de les tuer le plus vite possible aux dots.
Là, on a l'ours. Chorus. Kirik cheval. Cet endroit-là, c'est un peu merdique. Cet endroit, c'est un peu merdique. Faut les affaiblir, mettre de la défense. Ok. Le problème, c'est qu'on peut pas vraiment bien se placer, quoi. On est vraiment obligé de jouer sur tous les fronts, là, en même temps. Après, il y a des groupes qui vont aller plus vite que d'autres. Hein, mais... Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on y est, de toute façon. Super bien. Commence nickel. Il faudrait bloquer elle. On va la bloquer, mais pas maintenant. Pas maintenant. On va peut-être l'aveugler par contre. Fait plein de critiques. Pas mal, pas mal. Nickel. Nickel. Alors, je pense que nous on va pouvoir faire ça. Faut bloquer le double déplacement parce que là ça commence à être c'est la galère en fait. Donc du coup let's go. Nickel. Ça sert à rien de se mettre en joue. Oh, la vache de ce putain de toi, quoi. Pourquoi il tape deux fois? Ok, si elle termine son tour engagé... deux fois. Évidemment.
Évidemment. Bon, ils sont déjà bas en vie, eux, quand même, c'est bien. L'ours, on peut le mettre un peu au centre et tanker. Oh putain. La vache. Ça, c'est la galère. Ça, c'est la galère. On a perdu. On a personne qui peut soigner. On a personne qui peut soigner à portée. Compliqué, hein. Ça va être compliqué tout ça. Il faut qu'il tanque le cheval, hein, parce que là. Et en plus c'est 25, mais je sais pas si on va pas avoir des. Des renforts directement. Hein. On va te voir te bouger. Ah, ça m'enlève le feu. Bien. Bien, 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 bien. Oh, la déstabilisation, ça va être. Ça va faire mal. Ça va. 97. Ils sont pas brûlés, ceux-là.
Bon, si on arrive à passer le premier tour, honnêtement, c'est déjà bien. Ok, on a... Je pense qu'on devrait se concentrer sur lui. L'huile de force. Ok, affaiblissement. Putain, bien sûr, elle a la dague qui fait taper ses copains, c'est bien. D'accord. Faut gérer ce problème avec neige là. Lui, il a déjà joué, je pense. Ouais, je pense que là, c'est plus ou moins safe. Peut-être que si on peut tuer lui, par contre, ce serait bien. Faiblissement, riposte, très bien. Cheval, il peut encore durer un petit moment, je pense. Très bien. Ok. Prochain tour, on fait partir le cheval. C'est l'heure de Kirik. Je peux pas me faire les trois là. Ok. Pas mal. Donc on a vu qu'il tuait pas lui, on est d'accord. Ok, let's go. Ah, peut-être que tu veux te mettre... Il faudrait mettre rage aux autres en fait. Parce que là c'est un peu rage gâchée, non? Bon, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Très bien.
On a quoi comme autre? Va l'engager avec ça. Lui, il va pas aller très loin. Ah, j'ai vraiment envie de lui foutre le feu, lui. Toi tu pars, très bien. La Taurus qui peut faire des bons dégâts et en tuer quelques-uns. Taurus il va faire le ménage. C'est peut-être du gâchis en fait. Peut-être du gâchis. Puis ils vont mourir des dots. J'aurais pu la tuer. Elle, c'est quoi? C'est si les unités de poison, si les unités saignent. Là, c'est bien parce qu'ils peuvent pas faire grand chose en fait. Comment on va jouer ça? C'était prévu, mais ça devrait aller. Okay.
Alors, si le cheval il peut pas partir, il peut pas partir. Le cheval, il va être bloqué partout. Ah, mon Dieu. On devrait pouvoir la tuer, j'espère. Avec à cœur. Faire ça. Très bien. Premier tour fini. Premier tour fini. Le problème c'est que Septel là il faut aller l'aider en fait. Alors, je vais voir si on peut faire. Pas mal. Pas mal, pas mal. Sais pas comment on va sauver Septel, mais bon, on va devoir le faire, hein. Faut faire un miracle. Faut s'occuper de lui, sinon il va nous faire chier. Ah, je peux pas récupérer un point. Nickel. Un peu de feu. Et voilà. Nickel. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Commence à y voir un peu plus clair. Ok, faut virer le cheval.
Opération défense du cheval, quoi. Il y a Liège aussi qu'il faut faire partir. Ah, le cheval est vraiment dans la merde. Il nous faut des points. Il nous faut des... Il nous faut des points. Que ça fasse un crit, comme ça il est au moins saignement. J'espère un peu trop, j'imagine. Ok. Déjà pas mal. Elle va pas trop faire chier, ça va. Je crois pas. Lui va nous faire chier. Lui va mourir. Elle va nous casser les couilles. Il faudra la tuer direct en fait. Voilà. Très bien. Elle brûle et elle saigne. Ça nous fait chier. J'ai peur que il va l'attaquer en fait. Je vais devoir faire ça pour le tuer. À moins que tu me fasses un bon critique. Yes. C'est con qu'elle le fasse pas genre avec le plat au lieu de la tranche. Comme ça du coup ce serait marrant. Ok, lui il peut s'échapper, mais bon ça va faire mal. Bah lui il va me casser les couilles. Pas mal. Évidemment. Le placement était un problème en fait. Le placement de départ est un très gros problème. Ils ont pas encore joué. Lui, je lui mettrais bien du poison. En plus. Mais je crois que je préfère... J'en sais rien en fait.
Ok. On a un cochon mourant. On commence bien. Tu peux soigner Septel, toi. À la limite. Tu peux soigner Septel. Retaper là. Toi, tu vas mourir. Charnement. Ça va, ça va, ça va. Non, tu peux pas vraiment aider là en fait. Y a tacticien là qui va faire chier. On va le protéger. Voilà. Volonté. Au moins c'est protégé. Vache, volonté. Joli. Je sais pas si on dure encore un tour. Hein. Je sais pas si on va pouvoir le faire. Bon, lui, il va mourir. Bon, je crois qu'ils ont plus ou moins tous joué. Quasiment. Ils ont quasiment tous joué. Donc maintenant, il faut... Pour faire des miracles. On n'a que 2 points. Très bien. Elle, parce qu'elle va pas réussir à survivre le prochain tour, sinon. Lucie, elle risque rien, c'est bon. Casca. Oh, c'est compliqué. Dis-moi que tu le tues maintenant. Ok, 2 points. Nickel. Du coup, go contrer ça. Attends, t'es qui toi? T'es là? Ça va. Oh putain, non, si, il y a neige. Ah, bah maintenant, je peux plus faire grand-chose. Si, je peux faire ça. Si, on a toujours des buffs, donc lui il va faire affaiblissement, du coup il va pas prendre très cher. Et il a riposte, affaiblissement, voilà.
Et ça, ça lui permet d'avoir un buff. Protection. Très bien. Lui va mourir. Bon, elle va taper. T'es qui, toi? Oh putain, tu casse-couilles, quoi. Deux poisons. Très bien. Très bien. On va le provoquer, lui l'enlever de Aether. Donc on voit qu'il prend pas de dégâts, hein. Putain. Ah, poison 2. Ça marche. Alors est-ce que... Merde, on n'a pas de... Ah si, si, si. On peut peut-être faire de la magie. Ça va être chaud. Pourquoi tu veux pas faire de critique? Qu'est-ce que t'as contre les critiques? Hein? Qu'est-ce que t'as contre les critiques aujourd'hui? Ah, j'aurais dû balancer une hache, putain, quel con. J'aurais dû complètement balancer une hache. Ok, ça. Tour de War. Elle est trop loin pour tout. Ce jeu, c'est nul. Ok. On va soigner le cheval. Très bien. Est-ce que je peux... Ok. Vulnérabilité, c'est bien ça. Le moindre petit dégât peut aider là maintenant. Ok, donc faut se débarrasser de lui. Alors, si tu tapes, tu fais 60. Ok. On est bon, on est bon. Très bien. Oh. Nickel. Nickel. 343, yes! 343 Guilty Spark! Putain. Ok, on a deux points. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, maintenant on a lui. Lui, on va. Oh putain, elle peut pas. Non, t'es sérieux? L'ours du coup, l'ours, il va tanker. Putain, elle va se prendre des dégâts.
Si je la laisse là, elle va se prendre des dégâts parce que lui fait une AOE là. Casse les couilles. Alors on peut l'aveugler. Pour être sûr qu'il tue personne. Enfin, 50% de chance qu'il rate son coup, quoi. Parce que si je le prends avec l'ours, il va faire son AOE, il va la toucher. Ça m'emmerde. On va devoir la bouger. Est-ce que je l'aveugle ou pas? Alors, on va devoir l'aveugler, je pense. Pour éviter que ça parte en couille. Et je pense qu'on va faire full debuff sur lui. Parce qu'il a trop de vie. Il a trop de boucliers surtout. Bien. Allez, va sur l'ours maintenant. Oh putain, l'enfoiré. T'es vraiment un enfoiré, toi. Là, t'es vraiment un enfoiré. Hein. Bon, Klaska s'occupe de lui. Je pense que là, ça va mal finir hein, pour les cochons. Mais bon, on ira en récupérer d'autres, c'est pas grave. Lui, il faudrait peut-être le retirer. Faudrait qu'il envoie des molotovs. Bon, je suis désolé, hein, mais. Ça va être notre cochon. Notre cochon brûlé. On a mis le feu au cochon, on l'a fait partir dans le dans le champ. J'aurais dû la mettre en attaque, parce que là elle peut attaquer. Très bien. J'ai envie de dire autant leur foutre le feu, hein. Je sais pas. Je sais pas si ça vaut le coup de leur foutre le feu en fait. Je pense, hein. De toute façon, on est parti pour ça alors. Saignement, feu pour tout le monde. Voilà, c'est bon. En plus, plus il y a de saignement et plus Hacker peut faire des dégâts. C'est intéressant pour lui. Bon, lui, est-ce qu'on peut s'en... Je pense que Wheat, il peut le défoncer. Donc ça devrait aller. Est-ce que Will peut venir aider ici, en fait? Je pense pas. Ouais, on va d'abord s'occuper de lui. Je crois que Will va venir aider parce que là c'est assez catastrophique. Ah, prends-toi deux fois 60, non? Deux fois, une fois, une fois. Ah, lui, on va devoir le tuer, lui.
Tu vas pouvoir le tuer. Yes. Voilà. Très bien. Lui, il faudrait le bloquer. Toi, tu m'as un peu gavé. Pas besoin de le finir parce qu'on peut le finir sans points. Là, il va falloir protéger lui, il va falloir envoyer l'ours. Je crois. On va faire sandwich ours en fait ici. Sandwich ours. Putain, on peut pas aller très loin là. Toi, tu peux faire ça. Ok, tu te prends un poison. C'est con là, je peux pas me mettre en fait. Putain, toi t'es Yastoud là, t'es méga résistant en fait au final avec le coup de l'épée là. Ta protection 30. Dégâts subis réduits de 10%. L'huile de renforcement. Ah, c'est vachement intéressant. Comment tu récupères? Ouais, c'était en te mettant, en t'engageant. Peut-être pour donner un peu plus d'HP aux animaux, on va utiliser elle. Genre maintenant. Une infectieuse, pas mal. Ah, il va pouvoir récupérer un point. On va l'engager. Du coup, il va récupérer un point. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit, en fait, elle va mourir du... Elle va mourir des dots. Donc ça, c'est gagné. Voilà. 89. Ils sont très bien ces cochons. Très très bien ces cochons. Je le répète encore, mais... Toi, tu m'inquiètes, toi. Allez, go. T'as encore 500 points de vie. Je sais pas comment on va les sauver, eux. Hein. Je pense pas qu'on puisse. Hein. Vraiment pas qu'on puisse. Qu'est-ce qu'il reste à jouer? Il reste pas grand-chose. Ça sert à rien de faire ça, de faire ça. Bon, prends-toi un bon dégât, toi. Pas mal, pas mal. Nickel. Très bien. Peut-être en sauver un.
Je le soigne ou pas? 15 HP. Je sais pas si ça vaut le coup, honnêtement. C'est juste des crocoports qu'on peut en récupérer d'autres, honnêtement. Tiens, mange les moustiques. Mange les moustiques de l'enfer. Bon, maintenant faut regarder qui doit se faire soigner, qui risque de se prendre des dégâts. Toi t'es un peu dans la merde niveau vie. Toi tu peux pas soigner. Qui c'est qui peut soigner? Y'a toi. T'as du feu et du saignement. Ça va être chaud. Ouh, prochain tour, elle est morte. Ça va. Bon, prochain tour, on devrait gagner. Qui c'est qu'il faut qu'il joue, qui a plus trop de vie et qui est dangereusement bas? Non, ça a l'air d'être ok. Eh ben. Après, je pense que la difficulté en fait de ce combat, c'était. C'était surtout. Ah, il faut. Allez, par contre, je fais pas un deuxième combat sans les crocoporques. Si, ils sont trop utiles, ils sont trop bien. Le fait du fer de poison. Et. Poison avec. Le saignement, c'est magnifique. Ça aide énormément. Ça aide incroyablement. Donc, ouais. Bon, on va y arriver. Puis après, on est en ville, donc ça va. Les moustiques, ils vont sur les gens les plus proches. Toi, t'es sur... Défendre. Ouais, on peut tuer... il en reste plus que deux. Ouais, on va s'arrêter là. Bon, on a perdu deux crocoports. Les exploits tombés font déjà désormais appeler Poney le balafré. Il obtient les points d'attribut. Blessure x10. Poney le balafré. Ok. Eh ben putain. Poney le balafré. Pourquoi? Du coup, qu'est-ce qu'on lui augmente à lui? Je dirais le mouvement. Ou alors on fait encore un peu plus de constitution. Histoire qu'il survive mieux. Et on a récupéré... Pas mal, hein. Ils sont pas mal. Bah, ils sont niveau 9, quoi, à chaque fois. Genre même pour mener. Ah mais c'est vrai, mais c'est du 9, oui, mais je peux pas équiper. Je peux rien équiper.
Ah, on a un autre poney qui vient de monter de niveau. Yeah, poney 8. Très bien. Bravo, bravo, c'est un excellent début. Encore un comme ça et le lieutenant sera obligé de me chercher. Encore un comme ça. Non mais sans déconner quoi. T'as vu la gueule de notre équipe? T'es sérieuse? Putain. Incroyable. Incroyable. Encore un comme ça. Ah bah oui, pourquoi pas. Encore un comme ça. C'était tellement simple. C'était tellement simple. Encore un comme ça. Non, mon Dieu, elle va me tuer. Après, c'est un peu bête parce qu'elle va partir du coup. On a fait tellement d'aventures ensemble. Hein? On a fait tellement, tellement d'aventures ensemble. On va utiliser ça parce qu'on a plein de plantes. Au lieu de payer. Mais ouais, je crois que la difficulté. On va s'arrêter là, de toute façon. La difficulté venait surtout du placement au début. Parce qu'ils ont 4 groupes. Et nous, du coup, on est obligé de faire face à 4 groupes en même temps. On peut pas. On peut pas trop. Enfin, après, oui, on peut peut-être mieux gérer. Genre dans le sens où on laisse. Je sais pas, genre des animaux tankés et puis après on se casse de l'autre côté, vous voyez, des trucs comme ça. On peut peut-être faire ça, un peu comme qu'on avait fait avec la guerre de 30. Là, on a un peu utilisé les crocopores, là on a utilisé deux. Tiens, on voit qu'on peut mettre des trucs à toi. On en a utilisé deux. Bon, ben voilà. Bon, ben c'était bien. C'était bien. Bon, un de fait. Déjà ça. Donc on peut se les faire. Après, si honnêtement, le problème. Ouais, non, mais leur difficulté, c'est leur nombre. On n'a pas assez de gros tanks en fait. Lucie se débrouille très bien, genre les empoisonnés plus le saignement plus le feu, avec Lucie au milieu qui tank et qui bloque tout et qui attend en fait, ça marche vraiment bien. Après, je suis assez étonné de ça. L'huile de renforcement là. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de la mettre sur elle? Au lieu de la force. Pour encore la rendre plus résistante. Parce que bon, les dégâts, ça va, quoi. Je sais pas. Bon, après, elle a pas perdu son armure. Hein. Elle a pas du tout perdu son armure. Hein. Faut l'avouer. Donc, c'est pas comme si on avait un problème. Toi, il te faut de l'armure. Oui, c'est pas comme si on avait eu un problème niveau ça, quoi. Il y avait encore. Je pense qu'il y avait encore de la marge. Pour qu'on soit vraiment dans la merde. Je pense qu'il y avait encore un peu de marge. Après, il y en a qui ont vraiment des. Bah, lui, par exemple, là. Là, c'est encore de la merde et tout. Donc lui, il fait que office de tank et basta, quoi. Il fait rien d'autre. Hein. Ouais, enlève-moi ça. Shift. Nickel. Est-ce qu'on peut. Tiens, en parlant de Niège, là. 94. Ouais, mais non, mais nous on peut pas faire mieux en fait. Ce serait une armure 5 bleus. Ah, peut-être.
Du charbon, on teste, on peut tester. Par contre, moi je vais faire un break entre les deux la prochaine vidéo là. Je vais aller récupérer plus de crocopores. Ok, te loupe pas. Voilà, c'est bien. Encore que j'ai dit te loupe pas, hein. Putain de merde. Mais elle porte pas les armures lourdes, c'est intermédiaire. Non, mais c'est lui que je voulais. J'ai rien dit. Ah non, mais c'est de la merde, hein. Non, 94 d'armure là. 90 normalement. Non, il faudrait peut-être la parfaite. Et encore. Non, je pense que. Non, je pense pas. Il peut pas les armures lourdes. Non, non, mais en fait, non, c'est de la merde. Bah, ça va alors. C'est bien. 215. Est-ce qu'on peut lui faire une masse à une main? Oh, on l'a déjà faite, celle-là. C'est ce qu'il a en fait, non? L'autre là. Non, c'est la hache. Hache en acier, c'est ce qu'on peut faire. Hache en acier, ouais. Toi, t'as ça. Ça aussi, ça a bien marché au final. Le feu. Sympa. Mais ouais, le mieux, c'est le. C'est quand même vraiment le. Le poison, saignement, feu mélangé. Ouais, ça a vraiment très très bien marché. Genre en deux tours, en fait, les trucs crèvent. On a juste à tanker les coups. Genre par exemple, bah, Luciel le fait très bien. Et puis hop, c'est nickel, quoi. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Allez, on va s'arrêter là. Je vais aller récupérer des crocopores, je crois, entre les vidéos. Et comme ça, la prochaine fois, on commence directement avec un deuxième combat de ça. Et comme ça, c'est nickel. Et on peut enfin finir cette quête. Enfin finir cette quête. Du sel, on en a. Après. Après, genre 10 mois dans le jeu. 10 mois. Ouais, on est bien. Voilà, on fera ça. On fera ça la prochaine fois. Je vais aller récupérer. Honnêtement, 3-4 de plus. Crocopore. Parce qu'ils sont vachement utiles. Ils sont super résistants, de 1. Mais surtout, c'est le. C'est le fait du comme j'ai dit, un poison saignement. Hein. Ouais, non, c'est nettement bien, hein, vraiment bien. Après, bien sûr, avoir deux ours, ça a aidé aussi, hein, quand même. Hein. Au début, je vous l'ai dit, je voulais que peut-être en virer un et tout ça. Mais non, honnêtement, non. Avoir deux ours, ça change la vie, quand même. C'est un peu relou avec la consommation de nourriture, mais bon. Ça change la vie. Poney le balafré. Le poney a très très bien tanké aussi. Extrêmement bien tanké. Il est un peu fra... Honnêtement, il est un peu fragile. C'est un peu bête. J'ai bien envie de. Enfin, il est fragile, mais j'allais dire, il est fragile quand même. Et ça serait bien de le. Peut-être de le retirer du combat. Genre, on le respécialise et on le met en. Coureur, quoi, en poney de trait en fait. Il a bien fait son taf et tout. Mais au final, cabrure là, ça reste quand même ultra utile. Hein. Parce que encore une fois, à un moment, j'ai fait cabrure sur, je crois, Will vers la fin, et il est allé tuer le reste. Hein. Ou un truc comme ça là. Donc ouais, non, non, non. Avoir un poney dans l'équipe, désolé, mais c'est quand même vachement utile. Quand même vachement utile. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.